reborn. Wow, bonjour frères et sœurs, comment? J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte à merveille si c'est le cas. Dieu merci. Avez-vous regardé la vidéo précédente? Ha! Pour bien comprendre cette vidéo, vous devez absolument la regarder. Ne vous inquiétez pas, à la fin, elle apparaîtra directement sur l'écran ici et vous pouvez cliquer là-dessus pour regarder ce qui s'est passé, ce qu'on a vu. De quoi s'agit-il? Ha! Il s'agit tout simplement de la chaussure du diable. Il y a un rappeur, un chanteur aux États-Unis qui s'appelle Lil Nas X, qui a fait sortir un clip bizarre où on voyait clairement ce gars en train de danser avec le diable. C'est une chose qui a touché tout le monde, mais jusqu'à faire sortir une chaussure qui s'appelle Satan Shoes, en français, la chaussure du diable, c'est une chose qui a vraiment étonné tout le monde. Et la chose la plus grave de cette histoire, c'est que sur la semelle de la chaussure se trouve un truc comme un liquide. Et il a été dit qu'à l'intérieur de ce liquide se trouve une goutte de sang humain. Et cette chaussure a été faite à 666 exemplaires. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas au courant. Voici ce qui s'est dit, ce qui a été fait autour de cette chaussure. Ah! Et sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à crier. Oh non, c'est pas possible. Pourquoi vous pouvez faire ça? Non. Ah. Et en plus, Nike, comment est-ce que tu peux collaborer avec un tel gars? Et puis, en tout cas, les gens ont commencé à accuser Nike d'avoir permis que ces chaussures-là soient confectionnées et tout ça. Et parce que c'est levé là-bas, pour dire, non, on ne doit pas permettre cela, on doit combattre cela. Mais la chose la plus grave de cette histoire-là, c'est que malgré tout ce que les gens ont raconté là, cette chaussure-là qui a été faite à 666 exemplaires et qui a été vendue à 1018 euros, cette chaussure-là a été vendue en une minute. Quoi? La chaussure du diable a été vendue en une minute. Oh. Jésus, Jésus. Et cette star de la musique là, elle revient maintenant, elle fait un tweet et elle dit, mais regardez-vous-même. Vous êtes tenté de dire que ce sont des histoires, ce sont des conneries. Mais regardez, cette chaussure a été vendue en une seule minute. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Ah! C'est étrange, non? C'est étrange. Moi, au départ, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai vu ça encore, ça a été confirmé, tout le monde en parle. Là, j'ai dit, waouh! Ça, c'est la preuve que il y a des choses qui se passent ici dans notre monde. Que pensez-vous de ça? Pourquoi est-ce que cette chaussure a été vendue si rapidement, juste en une seule minute? Bon, peut-être c'est par curiosité, des gens très curieux ont décidé d'acheter la chaussure. Ou bien, moi, je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est ça. Genre, comme tout le monde en parle, les gens ont décidé d'avoir, de se procurer cette chaussure-là, de s'en procurer et de faire des présentations, essayer de voir ce qui est là à l'intérieur. Et les gens veulent vraiment voir si à l'intérieur, là où c'est le liquide là, sur la semelle de la chaussure, les gens veulent vraiment voir s'il y a vraiment une goutte de sang humain dedans. Et puis, s'il y a une goutte de sang humain dedans, là, c'est le sang de qui? C'est le sang de qui? En tout cas, ce n'est pas le sang de Lil Nas X. Ce n'est pas son sang qui est dedans. Chi! Vraiment, le monde. C'est ça le monde. Un monde bizarre. Et pourquoi les gens parlent ainsi? Pourquoi les gens se plaignent jusqu'à ce que Nike même décide de porter plainte contre ceux qui ont fait sortir la chaussure, c'est-à-dire Lil Nas X et tous ses collaborateurs. Nike, la marque Nike, là, qui a même cette marque-là sur la chaussure, là, la marque a porté plainte. Ha! Vous voyez, c'est bizarre. Mais pourquoi est-ce que les gens ont réagi comme ça? Si les gens ont réagi comme ça, c'est
parce qu'il y a encore la présence du Saint-Esprit ici, aujourd'hui dans ce monde. Donc, les gens commencent à comprendre que vraiment c'est une mauvaise chose. Mais, ça, ce n'est que le début du commencement. Si vous avez bien regardé nos vidéos précédentes, je vous ai dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont commencé il y a très longtemps. Aujourd'hui, ceux qui osent viennent se présenter là. Mais vous devez savoir que ça là, ça ne fait que commencer. Si les gens du démon, les gens du diable, les serviteurs du diable savent que ça vous a touché et que vous vous êtes même choqué au point où vous vous plaignez, ils vont juste attendre un peu seulement. Ils vont vous laisser juste un peu de temps seulement pour respirer. Mais ça ne va pas durer. Un autre gars va sortir là-bas avec une autre chose. Boum! Pire que ce que vous êtes en train de voir là maintenant. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire? C'est pourquoi Dieu nous dit que ce monde-là, c'est un monde sale. Ce monde-là, c'est du sale. Il faut tout faire pour se ranger du côté de Dieu, quoi. La vie, c'est un choix. Ceux qui ont acheté la chaussure, c'est leur choix. Ouais. Même l'église de Satan veut que le gars, que cette star de la musique là puisse venir aussi faire leurs chaussures. À l'honneur du diable aussi. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous l'ai dit. Mais ça, c'est pas surprenant. Il y a beaucoup d'adorateurs du diable sur la terre que des gens sensés. Ouais. Que des gens sensés. C'est pas de la blague. Regardez un peu. Quand on parle de la parole du semeur, là, où Jésus-Christ dit qu'il y a des graines, il y a un semeur qui est sorti pour s'aimer, et puis des graines sont tombées sur différentes terres. Selon vous, combien de graines sont tombées sur la bonne terre? Il y avait quatre situations, quatre terres, quatre types de terres. Mais une seule graine est tombée sur une bonne terre. Et c'est cette graine-là même qui a produit du fruit plus tard, non? Oui. Mais les autres, qu'est-ce qui s'est passé? D'autres ont été étouffés par les ronces, d'autres n'ont même pas pu jamais pu faire quoi que ce soit. Il y a d'autres même qui avaient accepté la parole de Dieu, qui avaient dit au départ, oh, c'est vrai, vous avez raison. Mais dès que la tentation est venue, ils ont oublié Dieu en même temps. Ils ont oublié Dieu, oh Dieu, au revoir, laisse-nous tranquille, qu'est-ce que ce n'est pas toi? À cause des soucis de la vie. Mais la bonne terre, ce sont des gens qui gardent, qui écoutent la parole de Dieu, qui la retiennent, qui la gardent et qui la mettent en pratique surtout. Qui observent tous les commandements de Dieu et qui font leurs efforts pour les appliquer. Vous voyez ça? Et si on veut bien placer ça sur une table, ça veut dire que s'il y a quatre fruits sur la table, il y a seulement un seul fruit qui est bon dedans. Donc, si le monde était une table, on va dire que dans ce monde, sur quatre personnes, il y a seulement une seule personne qui essaie de faire la volonté de Dieu, quoi, qui appartient à Dieu. Et ça, là, c'est ce qui se montre au travers de tout ce que vous êtes en train de voir. Ne soyez pas surpris, les frères et sœurs. Ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui, qui ne vont pas s'arrêter. Tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, tant que le monde n'est pas fini, hein, vous allez toujours voir des choses qui vont vous amener à parler un peu. A-O-I. Ne soyez pas étonnés, ne soyez point surpris. Jésus revient bientôt, Dieu revient bientôt. La mort aussi est là. Hein. Ça surprend souvent les gens. Souvent les gens disent que quand quelqu'un meurt, c'est la fin du monde qui est là. En tout cas, quand quelqu'un est mort, il est parti, c'est fini. Lui-même, il n'entend plus cette histoire de fin du monde. Il ne sait pas où il est, il se cherche. Waouh! En tout cas, soyez vigilants, faites attention quand même. Parce que ça nous rappelle que nous devons faire grave attention à ce que nous achetons sur le marché. Les choses que nous achetons sur le marché, là. Nous devons vraiment grave faire attention à cela. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo à vos potes, soeurs ou bien à votre frère. Et j'aimerais voir ce qu'il en pense. Ok? Soyez prêts.
Waouh, c'est extraordinaire. Merci à Frère d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous abonnez à cette chaîne. Dans la description, se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci à Frère pour tout. Que Dieu bénisse et je serai prêt pour la prochaine vidéo. C'est parti. Reborn.